Alors, voici la première, partie. Place au jeu. Voilà. Mes amis, on va faire plus ample connaissance avec nos duos d'un soir. Donc le duo Jean-Benguigui, Daniel et Jean-Éric. Jean-Éric, vous nous éclairez sur vos points forts. Si je vous dis vos trois points forts. Probablement l'histoire. Et entre gens, vous allez vous entendre, j'imagine. Et là, vous pouvez faire appel au joker. N'hésitez pas, Jean-Benguigui. Jean-Éric. Jean-Éric. On continue. Ah oui, oui, alors maintenant, grand moment. Attention, écoutez bien ceci. Dites-moi, tout le monde, quelle est cette grosse pêche? Tiens, quelle est cette pêche? Une grosse pêche à chair fondante qui doit... N'hésitez pas, Jean-Benguigui. Jean-Éric. Jean-Éric. Exactement. Ah oui, oui, oui. Le seul. Le seul. Ça marche presque à tous les coups, hein, le coup du jeu. Laurent Deutsch. C'est non. Alors, on continue les questions. Tout le monde joue, bien sûr. Quelle est la suite de ce précepte biblique commençant par... Tu aimeras ton prochain comme... Coluche. Non. Des proches. Des proches, voilà, exactement. Ah oui, oui, alors maintenant, ah oui, oui, ça c'est bien aussi. Maintenant, regardez bien, nous sommes le 7, entre 9h et 17h30. Dieu ou pas, se présenter comme l'ours qui chante toutes les 30 secondes, oui. Résultant de la combinaison d'oxygène avec un autre élément, républicain, qui accède. Oui. 8,5. 8,5, très bien. Merci. Pour vous consoler et puis pour vous sentir un peu moins seul, on va se régaler tout le monde à la maison avec des réponses complètement folles, complètement loufoques. Toi, comme toi-même. Toi-même, voilà, exactement. Un autre toi-même. Au précepte que nous venons d'évoquer, là. Quelle femme donne naissance au chiroptère après s'être unie à un poisson aux lèvres rouges, après s'être unie à un taureau? Laurent. Petit ours brun. Ça, c'est non. Colargole. Ça va, Anne? Oui, j'ai encore les frissons. Exactement, on a les frissons encore. Anne. L'Italie. C'est non, c'est non. Attends, alors moi, je dis, complétez votre réponse. Les tétons de Vénus. Ah non, ça, c'est les chocolats. Les tétons de Vénus. Les tétons de Vénus. Les tétons de Vénus. Novembre 1988, je me souviens de cette date. C'est-à-dire l'année dernière. Bonne année 2014! Bonne année à tous!